C'est pas mal du tout 100 gold sur un trade. Là, ça commence à être intéressant, là. Tu peux vraiment bien abuser. J'ai généré un kill supplémentaire. Hein. 2100 gold, c'est énorme. Hein. Moi, je sens qu'elle va être bien cette saison 12. Je sais pas pourquoi, j'ai un bon feeling. Ouais, je pense que les briseurs comme Camille vont être moins forts cette saison. Il y a moyen. On se retrouve pour une petite vidéo parce que je suppose que cette vidéo va être aux petits oignons. On va la mettre sur YouTube un peu comme celle d'avant avec Mordeux. On joue avec la nouvelle rune premier coup. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis assez curieux de voir un petit peu l'impact de la rune. Et j'ai envie de voir sur Camille. Donc, j'ai fait des tests vite fait en partie personnalisée. Mais en fait, le fait que Camille ait des dégâts bruts va vous permettre en fait de faire énormément de dégâts. Et du coup, potentiellement de récupérer des PO sur ces dégâts bruts que vous allez faire. Donc, attends, si je dis pas de conneries, la rune vous donne des PO à 5% de ces dégâts. Ah, ok, donc c'est les dégâts supplémentaires qui vous permettent de générer des PO. Ok, donc on verra 10% sur des dégâts bruts. On verra un peu ce que ça va donner. Assez curieux. On va voir là. Je vais start E justement pour avoir le premier coup. Hein, parce que vu que je vais le stun et que je vais lui mettre une auto, c'est moi qui va potentiellement avoir le premier coup. On verra. Très très curieux de voir tout ça. Ok, j'ai pris 22 PO quand même. Ce qui est pas mauvais en soi. Mais si t'arrives à générer pas mal de ressources avec cette rune, c'est vraiment pas mal. Donc là, on va le laisser jouer avec son Q-spell, on va attendre que la rune revienne. Donc 4 PO, c'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas dégueu. Flash, c'est bien. J'ai récupéré quasiment 100 PO avec la rune là. On va faire très 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 attention. J'ai plus d'ignite, mais il n'a plus de flash. Ça me fait gagner 5 PO, 9 PO en vrai. Ça me fait gagner 14 PO juste avec un Z. C'est insane en vrai. Toutes les 20 secondes à peu près, c'est pas mauvais. Hein. Donc là, il a plus de Q-spell. Ok, je pense qu'il devrait back. Là, on a les gold pour la brillance. Et on va aller chercher la brillance. Là, maintenant, on va avoir des dégâts supplémentaires avec la brillance. Donc, potentiellement, bah, des gold supplémentaires aussi. C'est honteux. Il a flash, là? Non, me dis pas que Xigny a flash. Non, me dis pas, il a pas fait ça, quand même. Pas grave. Je peux pas lui en vouloir. J'ai eu peur. J'ai mis un gros coup sur la tour. Le petit coup de pied sur la tour là. Bah, on a pris des golds en vrai. Hein. Combien elle nous a donné la rune là? Et elle nous a donné au total PO gagné 184. Ouais, c'est pas dégueu. Et ça m'a permis de faire 160 de dégâts infligés. Bon, on a des CS d'avance. Après, ça peut être bien si t'es sur des gens, sur un match-up un peu even. T'as envie de cumuler des golds. Ça peut potentiellement être viable. On va voir en mid-late les golds que je vais générer. Hein. On verra. Bon, pour Conchogat, en vrai, c'est pas du tout opti parce que ben, il a énormément de poc avec son Q-spell ou avec son Z. Il peut me baiser en vrai. Ok, on a mis des bons petits dégâts. Je vais peut-être chercher la plante. On lui va régénérer un petit peu. Je vais avoir mon R de up. Salut à toi. Okay. C'est un peu chiant qu'ils aient tous leur summoner là. Maître Yi niveau 7. Pourquoi Maître Yi niveau 7 et Xinzao? Pas du tout. Bon, ok, c'est pas grave, on va faire avec, hein. C'est pas perdu. On va y arriver. C'est pas grave. Moi j'ai confiance en eux. C'est des super Saiyans. Ils ont besoin de temps un petit peu. Ils doivent scale. Je les connais. Moi je les connais très bien mes viewers. Je suis à combien de gold généré là? 318, ok. Bon, ça c'est l'équivalent d'un kill en 10 minutes. Attends, il a mis le Z derrière là? Xinzao, il va falloir faire des petits efforts mon ami là parce que... Bon, le maître Yi est en face de tes yeux. Toi tu mets le Z derrière frérot. Je sais pas qui tu voulais toucher. Et t'as perdu. Voilà. Tu peux rentrer à la maison. C'est pas mal. 7 à 10. On remonte petit à petit tranquillement. Il y a des plates encore à récupérer. Si je peux en récupérer 2, ça me mettrait Gucci. Il y a pré-shot le flash. D'accord. Non, mais moi, j'ai confiance.
Allez, on va récupérer ça. Bon, ça c'est la wave de trop, hein, je vous le dis. C'est vraiment la wave de trop, c'est pour ça qu'on va les mettre une ward. Ouais, je voulais proc ma rune, mais... Ok, je voulais proc ma rune avant de me barrer, mais bon, pas très grave. On va goal Kiamat. La rune m'a rapporté 422 gold pour l'instant. Là, on a récupéré 94 gold. C'est pas mal du tout, 100 gold sur un trade. Là, ça commence à être intéressant, là. Là, ça commence à être intéressant. 94 gold sur un trade, c'est pas dégueu. C'est clairement pas dégueu. Bon, Spell n'est pas parti, c'est un peu dommage. C'est un peu trop enjaillé le maître. Ok, on a la tour. On remonte. Même pas peur. C'est qui, c'est Nakali? J'ai un peu peur, mais c'est pas grave. Dégage de là. La rune est pas foufou au début, mais je pense qu'avec les dégâts bruts que tu fais avec Camille en mid late, je pense qu'il y a moyen quand même de récupérer sur un trade entre 100 et 200 gold quand même. Chose qui est, je pense, pas forcément négligeable. Je vais la go. Je vais essayer du coup de faire proc ma rune. J'ai gagné 127 gold. C'est pas mal en vrai. Donc sur le kill, je prends 450 gold. Parce qu'elle te donne quand même des dégâts supplémentaires, mine de rien aussi. Tu vois, c'est pas comme si elle donnait juste des gold. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est fort en vrai. On a pris des gold supplémentaires. Mais je prends pas mal de gold supplémentaires entre mes runes et les shutdowns. Mais pour l'instant, ça me plaît. En vrai, ça me plaît. J'ai quand même généré 850 gold. Avec, bon, les dégâts supplémentaires, c'est pas le plus fou. Mais les gold générés sont pas mauvais. Ok. On va régène, hein. On a les rades, ouais, récupérer, ça peut être intéressant. Et vu que Camille, c'est un perso qui aime bien faire aussi des trades très courts, très nets et très brefs, genre avec son Q-spell chargé, je peux potentiellement bien profiter de la rune. Mais je lui mets quand même des dégâts, c'est bon ce que... Après, ouais, il est AP, il est pas tanky. J'ai récupéré 136 gold encore. Je peux vraiment bien abuser. Je pensais qu'ils allaient être un tout petit peu plus réactifs. Ouais, en fait, ce qui est chiant, c'est que Maître peut cancel mon E. Et c'est très gênant pour moi. Et en last item, je pense que je vais faire un GA. Très bien, ça c'est ça bien. Ça bien follow-up, ça. Ça bien follow-up, ça. Ça fait plaisir. Voilà les gars, c'est ça qu'on veut. Bien joué. Katarina qui a fait le taf. Mais je pense que la rune sur Katarina est broken en vrai. Parce que si tu fais des dégâts de zone en fait, si tu fais des dégâts de zone sur plein de gens, ta rune elle t'apporte tellement de dégâts. On va le sécher un petit peu, ça va le calmer. On a quelques secondes. Ambitieux, ambitieux. Combien de gold du coup, 1740? Ça commence à être pas mal, ça commence à être pas mal, vas-y, on va prendre ça. Ça commence à être plutôt intéressant. Par contre, ils ont pas mal de Drake montagne. Bon, après, j'ai des dégâts bruts, donc c'est pas gênant. Il a plus de pistol. J'ai généré 250 gold, hein, avec la rune, les gars. J'ai généré un kill supplémentaire. Hein. Ok, on pense au classe DMF, c'est très très bien. On va get ça, ma team arrive. On est là les gars. Allez, on les tue tous.
Donc ma rune qui m'a permis de régène de générer 2100 gold. Je pense que c'est très très fort quand même, mine de rien. On ne dirait pas comme ça, mais 2100 gold, c'est énorme. Hein. Je pense que c'est quand même très très fort. C'est pas broken, mais c'est fort. C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas trop quoi en penser, je pense quand même qu'en lane c'est pas évident, mais je pense que la rune est bien sur Camille, parce que Camille a un peu l'effet de surprise avec son E, qui peut arriver de très loin, donc il y a de fortes chances qu'elle touche en premier, et ensuite ça match bien avec le Q-spell, parce que la rune est active pendant 3 secondes, et ton Q-spell tu peux le réactualiser. Dédicace à Péjou, bon stream. Sale merde, Aerys. Donc voilà, ça synergise bien, je pense que c'est pas mal.